Quand le soleil se couche sur l'île Papillon, petits comme grands marchent d'un pas affirmé vers les forêts humides. Là, assis sur les frêles branches des gommiers, les quimboiseurs racontent. Un peu sorciers, un peu gardiens des traditions des premiers immigrés, ces adeptes des arts occultes savent. Ils savent qu'en Guadeloupe, en cherchant bien, il est possible de trouver une forêt où les soucis ne sont pas les bienvenus. Un lieu où seule la sérénité est admise. Une bulle de bien-être où Dame Nature règne en maîtresse absolue. Cette forêt tropicale, je l'ai trouvée pour vous. Oserez-vous y pénétrer? Levez les yeux. Et maintenant, tendez l'oreille. Chant d'oiseaux, cascades qui ruissellent, mangoustes qui courent dans les arbustes. La Guadeloupe vous appelle. Faites un pas sous vos pieds, le bois de ce pont centenaire émet un léger crack. Mais y avez-vous seulement prêté attention? Dans cette forêt tropicale bouillante de vie, les êtres vivants n'ont de cesse de faire entendre leur voix. Prenez le cas de cet Acoma boucan imposant qui trône sur votre droite. Svelte, son tronc a déjà essuyé 1000 pluies, vu des centaines d'étés. Et pourtant, ses racines rampantes l'ancrent dans ce monde. Son feuillage abondant a même la prétention de cacher le soleil. Marchez dans les feuilles mortes. Et écoutez-les craquer sous vos semelles. À présent, levez les yeux et laissez-vous séduire par les jeux d'ombre en cours dans la canopée. Sous vos pieds, un filet d'eau a trouvé son chemin. Regardez-le foncer et se jeter dans un ruisselet à l'allure paisible. Tout comme l'eau glisse parmi les feuilles mortes, c'est tout un monde qui existe entre les racines des gommiers. Mousse, lierre, champignons, c'est fou que la vie puisse prendre autant de formes. Balayez les environs du regard. Sentez la vie grouiller dans les arbres et les tapis de feuilles. Laissez-vous bercer par les murmures de l'eau qui ondule entre les roches. Laissez votre esprit vagabonder en écoutant le frétillement de l'onde. Peut-être s'y cache-t-il le chant d'une ondine?
assis sur le bord de la rivière, ressourcez-vous au contact de la pierre, de l'eau et du soleil. Empruntez les escaliers qui serpentent cette forêt tropicale. En vous y hissant, au-dessus du niveau de la mer, vous serez plongé dans un environnement bien plus calme. Ici, les gouttelettes d'eau rebondissent sans faire de bruit. Les feuilles dodelinent au gré du vent dans un silence assourdissant. Seuls les oiseaux font entendre leur voix. Dans cet éden de paix, palmiers, fougères et autres herbacées se livrent à un dangereux jeu de séduction. Leur première victime, vous. Tapis derrière un arbre, vous apercevez le cours d'eau qui irrigue les lieux, silencieux, frêle. C'est pourtant grâce à lui que cet écosystème frétille. Et alors que sa surface semble d'un calme à toute épreuve, en arrière-fond, la mélodie de la cascade rappelle qu'il peut être bien plus puissant. La preuve, cette eau a réussi à trouver son chemin en perçant les roches. Regardez-la rebondir sur la mini-chute rocheuse lovée dans cette forêt humide. Reprenez le pont et partez, désormais apaisé et changé à jamais.